J'espère que vous allez bien. Vous allez peut-être m'entendre un peu tousser, hein, mais bon. Alors, on revient pour du courrier. Alors, d'abord, j'ai reçu une jolie carte de Sylvie la Moldue. Donc, voilà. Une petite carte toute mimi, comme ça. Voilà, là, il y a son petit mot. Hop! Voilà, il y a des jolies die-cuts. Cette fleur-là est très très belle. Alors, je vais lire ce qu'elle m'a marqué. Bah, moi aussi, hein, je crois t'avoir déjà présenté mes vœux. Bon, enfin, si je ne les ai pas faits, voilà, je te le fais. Bah oui, mais je suis là pour tout le monde, tu sais, ma chérie. Hein. Je suis. Voilà. Moi aussi, je te fais tout plein de gros bisous. Bah, moi aussi, je t'aime. Tu es un amour. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Hop, je mets ça là. Ensuite, j'ai reçu un colis. Un colis. Un colis qui me vient de Carica. Alors, Carica, quand on fait un échange, comment te dire? C'est un peu gros quand même, non? Hein? Bon, alors on va essayer. On va déjà essayer de trouver la carte. Alors, je crois que c'est ça. J'adore parce que, regardez, elle a repris un tuto. Quelques bricoles. Alors, l'enveloppe, ben, je l'ai donnée à Zabou. Le reste, c'est pour toi, ok. J'embrasserai mon mari et moi et Alain. Je te fais de gros bisous. Moi aussi, je te fais de gros bisous. Oh, elle a trop beau, hein, ton tag. Regardez. Son tag, elle a trop, trop beau. Vous voyez rien. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà. Merci beaucoup. Bah, il ira joindre ses petits copains parce que j'en ai quelques-uns d'autres. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte. Alors, elle m'a fait des... Alors, j'ai vu qu'elle m'avait fait plein de choses. Alors, on va commencer par ça. Parce que j'ai vu qu'il y avait un petit mot. Bouge pas, toi. Alors, coucou ma bichette. Si, si, je suis décidée de vous faire le junk, hein. Attendez, je suis en train de faire des signets et puis après je vous montre. D'accord, ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup ma caricature. Alors elle, du coup, bah, elle m'a envoyé. Hein. Voilà, c'est toujours bien emballé chez Carica. Nickel. Non, non, il n'y a pas de souci, ma puce. Oh, c'est joli ça. Regardez. Alors, si je vous mets là, est-ce que vous allez voir? Oui. Alors, je vais vous montrer comme ça. Donc, apparemment, la couverture me vient d'une copinette. Et puis, wow. Oh, c'est magnifique. Est-ce que vous voyez là? Parce que, comme j'ai un reflet de... J'ai le reflet de comment de la lumière. J'espère que vous allez voir. C'est très très beau ma carica. Magnifique. Ah, c'est sympa les petits trucs de sachet de thé. Bah écoute, je vais finir. Hein, parce que tu me dis qu'il faut que. Juste à rajouter les papiers. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, je vais finir. Et comme il est très beau, bah je vais essayer de le mettre dans l'autre. Hein, je vais le coudre. Parce que là, il n'est pas cousu. Non, il n'est pas cousu. Donc, je vais le coudre et...
Je vais essayer de l'incorporer à l'autre. Ça fera un mini jung dans un jung. Voilà. Je vais essayer. Hein. Voilà. Très très beau. Très très beau jung. Bah, écoute, je vais essayer de te faire ça. Hein. D'accord? Je vais essayer de mettre ce petit jung dans le grand jung. Voilà. J'y pense. Je le mets là de côté avec le jung qui est en. On voit, voilà, parce que j'allais pas, enfin, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais je vais faire les signets, vous montrer comment on les coud, et on fera les éphéméras ensemble, et puis après, vous, voilà, bon, si vous avez des questions, ben vous hésiterez pas. Donc, elle m'a fait une pochette comme ça. Non, c'est une carte. Voilà. Idem, comme elles ne sont pas écrites, j'essaierai de les incorporer dans le junk. Voilà, comme ça, ça me fera un souvenir. Et voilà. Donc, je vais mettre tout ça de côté. C'est très joli, ça. Regardez, je vous montre. Voilà. J'essaierai de les mettre dans le junk pour ta carte est très belle. Une carte magnifique. Voilà. J'essaierai de mettre tout ça dans le junk. Donc je vais mettre ça avec ça. Voilà. Ensuite, elle m'a fait. Alors, elle est où là? Ah, bronchite, ton cul me tient. Oh, elle m'a fait une petite pochette. Alors, je vous la montre. Toute mignonne, comme ça. C'est pareil, je viendrai la mettre dans le junk. Voilà. Elle est très belle. Et puis, dedans, il y a un joli... dans un joli sac en organza, comme ça. Un mamie. Des petits tags qui sont trop mignons. Voilà, je vous les montre. Celui-là. Celui-là. Alors ça, je m'en servirai pour comment ça s'appelle? Pour faire des embellissements. Le bonheur, si je veux. D'une belle aventure. Profite. Sympa. Voilà. On viendrait me les servir. Là, il y a des dacques qui sont magnifiques. Hein. Je vous montre. Très, très beau. Merci beaucoup, ma doucette. Hop. Hop. Donc. Idem, on va mettre là. Ensuite, elle m'a envoyé des planches de tampons comme ça. Mais vous ne voyez rien. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, si j'étends ça, ça vous fera peut-être moins de reflets. Non, vous ne voyez rien. C'est compliqué ici, hein, parce que quand il y a le soleil. Donc, avec des petits lapins. Pour Pâques, ça va être parfait. Et il y a mon petit lapin. Voilà. Et puis de l'autre côté, on a des petits ballons. Hop. Voilà. Des petits ballons. Et petit renard là, il est trop chaud avec sa glace pour l'été. Ça va être super sympa. Ça, cette planche là, va être sympa. Je vais j'irai la mettre avec les autres. Elle va être sympa. Alors, je fais d'abord tout ça. Alors, elle m'a envoyé aussi à c'est accroché.
peux pas l'ouvrir dessous. Ah non. Non. Je vais ça délicatement. Voilà. Je ne voudrais pas abîmer l'étiquette. Hop. Bonjour. J'adore. Merci beaucoup. Et elle m'a fait une invitation. D'accord. Alors, elle me marque, il n'y a rien de bizarre, hein, je vais vous le lire. Coucou ma bichette, tu vas en souper du High Bayern Marlène. Mort de rire, j'espère que ma carte te plaira. Gros bisous, Carica. Regarde. Je m'attends au pire. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, mais. Est très beau ce cette carte là, elle est très très belle. Hein. Merci beaucoup. Alors je vais en bouffer. Je sais pas ce que c'est là-dedans. Qu'est-ce que tu m'as mis? Hein? Ah ouais, d'accord. Ah oui. Je vois pourquoi je vais en bouffer. Alors attendez, je vais vous présenter ça après. Pour l'instant, je vais faire ça. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis dedans? Oh, c'est trop saoul. Elle m'a mis plein de sauces trop mignonnes. Regardez. Une petite fille. Hein? Juju, papillon. C'est trop mignon. C'est trop rigolo. Trop marrant. Oh là là, qu'est-ce que. Voilà. J'adore. C'est super génial. Merci beaucoup. Ah, vous entendez la porte, c'est normal. On est en train de vider une remorque. Donc, hop, je vais faire ça comme ça. Je vais tout refermer avec le petit trombone. Je te remercie beaucoup, ma belle. Merci beaucoup. Alors après, et mamie. Les petites pochettes, là, je les garde. À mamie. Ah, je vais voir ça après. Elle m'a mis une autre carte avec des toutes petites fleurs qui sont trop belles. Tu les as eues, ces petites fleurs-là, Carica? J'adore. Ah, elles sont trop belles, tes petites fleurs. Oh, je les adore. Elle m'a mis un petit lapin de Pâques. Ah, elles sont très, très belles, ces petites fleurs. Alors, ah bah bien sûr, elle me plaît. Eh ben, je vais la réutiliser dans mon drink. Oh, j'ai fait quoi là? Oui, oui, bien sûr. Alors, la petite carte, on va la réutiliser dans le drink. Voilà. On va y mettre le petit lapin. Voilà. Je pense que ces petites étiquettes-là aussi, c'est pour utiliser dans le junk. Elles sont trop belles, ces petites étiquettes-là. Plein de petites étiquettes. Oh, elles sont trop mignonnes. Oh, des bébés étiquettes. Il y en a des comme ça. Il y en a des comme ça. Alors, j'en utiliserai dans mon junk, mais pas que. Elles sont vraiment très très belles. Il y a des petits fanions comme ça. Mais pas que. Je vais faire des petits embellissements et puis je m'en servirai après. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Elles sont trop belles, tes étiquettes.
Voilà, je vais les présenter dans un petit papier comme ça. Elles sont trop belles. Alors, dans le Vung. Ensuite, elle m'a fait une autre carte. Ah, mais c'est pas une carte. C'est une pochette, en fait. Alors, ça se présente comme ça. Et il y a une... Regardez. Mais en fait, avec toutes les créations que vous m'avez faites, du coup, je ne vais pas avoir grand-chose à faire sur mon junk. Mais vous êtes des amours. Elle est super jolie. Regardez-moi ça. Il y a des die-cuts. Il y a des petits timbres, là. Regardez. C'est trop chou. Des petits timbres, là. C'est vraiment super, hein. Ah, vous m'avez gâté. Merci beaucoup, beaucoup. Celui-là, c'est une tuerie. L'accueil, là, qui est sous mon doigt, c'est une tuerie. J'adore le petit garçon vintage. Vintage pour Béa. Elle m'a marqué vintage pour Béa, moi. Bah écoute, c'est pareil, il va finir dans mon junk. Voilà. Donc, pour le junk, je mets ça là. Ensuite, elle m'a envoyé des journaux comme ça. Voilà, c'est la Libération. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Mais dedans, il y a plein d'images à découper qui sont sympas pour faire du hard journal. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous comme ça. Vous verrez bien. Regardez, il y a des images... vraiment sympa. Donc, je vais m'en servir. M'en a mis 3. Donc, c'est les 3 mêmes. Et pour faire du art journal, ça va être petit top. J'adore. J'adore le mot. Puis les écritures, ça peut toujours servir. C'est un petit trésor, ce journal-là. Voilà. Donc, il y a plein d'images. Celle-là, elle est très très belle aussi. Voilà. Donc, à mon ami. Hop. Voilà. Donc, ça, je vais les mettre de côté pour y penser parce que je vais les mettre là. Quand je fais du hors journal. Ensuite, elle m'a mis des blocs de paper bloc de chez Action sur le thème Noël. Alors, évidemment, bon, pour cette année, c'est un peu raté. Mais je vais les mettre de côté. Hein. Ouais. Quoique, il y en a des feuilles dedans. Ça fait pas très Noël. Hein. Ils sont très beaux. Ils sont très, très beaux. Et bien, vous voyez, ça, par exemple, ça fait pas forcément Noël. Bon, ça, oui. Et il y a plein de die-cuts. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, je viendrai le dépouiller pour garder les feuilles. Bon, en fait, qui font pas Noël, mais il y en a qui font hiver. Donc, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Merci beaucoup, ma carita. Je vais le mettre là. Et elle m'a offert celui-là. Alors, c'est pareil, c'est une... Si je vous mets comme ça, est-ce que vous voyez? Si je vous mets ça comme ça. Donc, c'est le Fairy Tabel. Donc, voilà. Alors, ça, pour faire des washi, c'est super. Les petites bandes et tout, c'est super. Il y a celui-là. Ah, il y en a 3 de chaque à chaque fois. Donc, les petites feuilles, là, elles sont magnifiques. Ces petites fées là. Donc, on a 3. Le rose comme ça est très très beau. Ah, mais est-ce que vous voyez là? Je m'inquiète quand même parce que ça n'a pas l'air d'être terrible. Je vais essayer de mettre une lumière en contre-jour. Bon.
C'est pas qu'on n'a pas de. C'est pas qu'on n'a pas de lumière, mais c'est qu'on a le soleil et c'est pas terrible. Voilà. Celui-là est très beau. Je voulais laisser à plat. Hein. Celui-là est magnifique, ça brille. Il est très beau ce bloc. Hein. Regardez avec les petits papillons comme ça. Alors moi, je viendrai peut-être détourner les petits papillons parce que je les trouve trop mignons. Les petites fées là sont super jolies. Pour faire un album de petites filles, ça peut vraiment être sympa. Celui-là est beau. Moi j'adore ces papiers et ce vert un peu anisé. Là. Donc les petits papillons. Pour faire un album de petites filles, ça va être une tuerie. Très très beau. Sont très beaux ces papiers, magnifiques. Les guirlandes de papillons comme ça, regardez comme c'est beau, c'est magnifique les guirlandes de papillons. Et puis les petites fées, voilà. Alors, les petites fées, c'est pareil, je viendrai les détourer. Puis comme j'ai plus, j'en ai plusieurs ou pas? Oui, j'en ai plusieurs. Donc, voilà. Magnifique album, merci beaucoup. C'est Dovecraft qui a fait ça. Puis moi, je récupère aussi les petites images. Super joli. Je te remercie beaucoup. Très, très beau. Ensuite, on va passer à l'objet du délice. Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Alors. On en est à combien là? Donc elle m'a envoyé des feuilles de die-cut. Donc effectivement, je vais en manger parce que ce n'est que du Stamperia. Du Stamperia, n'importe quoi. Mais... Marlène, aïe, Marlène. Fatiguée, hein? Béa est fatiguée. Oui, elles sont très très belles. Je vous les montre. Magnifique. Superbe. Je vous les mets loin comme ça, vous pouvez tous les voir. Vraiment très très belle. Et ben, yo, je vais pouvoir en faire des choses avec tout ça. Et ça, c'est le petit oiseau que tu as utilisé sur ta carte. Voilà. Ben, il va y avoir de quoi faire. Hein. Moi, j'ai des trucs, hein. Merci beaucoup, j'adore le van. Un petit van là. J'adore le van. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup, mais il fallait pas. Oh là là. Oh, super. Et puis après, mamie. Alors, mamie, des attestampins. Ben justement, on en parlait avec une copine. Donc, voilà. Et justement. On en parlait que j'allais vous faire une petite vidéo, parce que ça m'a été beaucoup demandé. Une petite vidéo avec les formats. Alors ça vient de Scrap Didi, mon journal de souvenirs. Super. Quand j'en serai arrivée à faire la couverture. Voilà. Alors là, mamie, tout plein de découpes. Regardez. Je vous les mets là. Regardez, hop, je vais essayer de. Regardez, plein de découpes dans des fonds un peu patouillés, un peu de fond de décor. Oh, elles sont magnifiques. Regardez-moi cette libellule. Super jolie. Bah, je te remercie beaucoup, ma belle. Elles sont super jolies. Voilà. Et puis, elle m'a mis. Alors, je vous les laisse là. Elle m'a mis tout plein d'étiquettes aussi. De fanions, des étiquettes dans ton genre, des petits cœurs, tiens, ça va être la saison de s'en servir. Des étiquettes comme ci, des étiquettes comme ça, des cœurs. Merci beaucoup. Le timbre.
Ouais, bah, Léon, tu m'as gâté. Hein. Moi, je vais venir ranger tout ça. Celui-là est très beau. Je vais venir ranger tout ça dans des boîtes. J'essaye de ranger mon atelier parce qu'il va y avoir du changement encore. Hein. Oui, encore. Le meuble que vous voyez pas qui est là s'en va et on met des étagères à la place. Parce que voilà. Hein. On peut pas tout mettre. Et je crois que je vais vous la faire en deux. Hein. Parce que ça va prendre trop de temps. Je vous la fais en deux fois.